ça va, ça va être malade. La société des vidanges. Connais-tu le groupe qui fait la première partie? Minute Papillon. Ouais, il paraît que c'est full poche. Ah, oh, mais c'est pas grave, hein. C'est pas eux qu'on va voir. Quel est... Des poitres! La société est évidente! Je m'en fous pis ça! Hey, Kevin! Salut. T'es blessé? Non, non, je mets ça pour le fun. Ça y est, mon billet d'avion est acheté. Ça me rapporte un souvenir, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Écoutons, je savais pas que je vivais dans une usine de savon, moi! Vous avez vraiment réussi à vendre tout ça? Ouais, c'est la plus grosse commande de l'histoire de Brigitte et Fille. Wow! Bravo! Hein? C'est trop belle fois! Ben, il y a aussi mes échantillons là, pour le salon du savon en Suisse. Tu t'en vas pas en Suisse? Mais oui, je te l'avais pas dit! Ah, c'est trop belle fois! Mais oui, il y a un super gros salon du savon là-bas, puis je vais en profiter pour essayer de trouver des nouveaux ingrédients. Ouais, elle vient juste d'acheter son billet d'avion. Oh, la Suisse, t'es tellement chanceuse! Je savais pas que tes affaires allaient bien comme ça! Ah, mais quand même! Wow! Puis en plus, le salon est dans un village tellement hot! Dans les Alpes, imagine! Dans les Alpes! Oh, chanceuse! J'aimerais tellement ça aller là-bas, moi! Des fois, là, je trouve que la maison est tellement petite que j'étouffe! As-tu compris la même chose que moi? Quoi? Ben, je pense que Marie, elle aimerait ça qu'on déménage. Hein? Tu t'es foulé le poignet! Deux jours avant le show! Ben ouais, en sujet fait exprès. OK, puis comment c'est arrivé? Je suis venu avec Mammouth. Votre drummer? Tu connais-tu un autre Mammouth, toi? Pis? Ben, on se tiraillait, il m'a fait une jambette, puis je suis mal tombé. Là, ça veut dire qu'il y aura pas de show? Non. Ah, sauf si je trouve un remplaçant, là. Hey, toi, ça te tente-tu? De quoi, de jouer à ta place? Ben oui. Sur scène? Mais non, tu sais, dans les toilettes. Ah, OK, tu me niaises. Évidemment qu'il niaise, là. Elle est bonne. C'est pas une joke? Hein? Il faut le bon clavier, puis tu connais toutes nos tunes. Ben oui. Bon, tu me remplaces ou pas? Mais là, mais hein? Okay. Oh, attends, tu niaises pas, là. Sammy va jouer dans votre show. Man, je vais jouer avec les... Dead Poitras! La société des vidanges! Je vais couper sa marge! La société des vidanges! Est-ce que tu te rappelles de l'entente avec les bocages? Hein? On s'était dit que aussitôt que je trouvais du travail, on déménageait. Ouais, je sais bien. Non, Marie est pas folle. Elle voit que ça va bien, Brigitte et Fille. Elle doit se demander pourquoi je suis pas déjà en train de chercher un appart. Oui, mais maman, elle nous l'aurait dit là, si elle voulait qu'on déménage. Tu penses? Mais oui, elle de même, Marie. Elle niaiserait pas avec ça. Ouais, t'as sûrement raison. Comme d'habitude. Coquine. Mm-hmm. Oui, Jen. Ben oui, pour vrai, je joue avec eux. Ben oui, je sais que c'est malade. J'espère que tu vas me trouver cool sur la scène. OK. Moi aussi. Ouais. Hey, tu sais, notre nouvelle tune, hein? J'ai toute. Tu la connais? Oui, je la connais. Elle est malade. Ah, moi, t'as un gros solo de drum dans celle-là. Salut, ma! Ah, dis donc, on va le bosser! Ici, toi. J'espère que tu vas pas essayer de vendre un deuxième clavier brisé à mon fils. Il y avait juste une note de brisé. Ah, deux notes. Bon, c'est correct, maman, c'est correct. Non, je l'ai invité ici pour réviser les tunes des Dead Poitras. Oh, les Dead Poitras, quel nom de groupe horrible. Et pourquoi tu veux réviser leurs chansons? Parce que je vais remplacer Kevin dans le show de ce soir. Pardon? Il peut plus jouer à cause de son bras. Donc, c'est moi qui vais jouer du clavier à sa place. Du clavier? Mais non, c'est de la clarinette. Hey, je vais faire un show à l'aréna, c'est malade, hein? Non, n'est pas question, Bol-Bol. Hein? Mais pourquoi? Mais t'es de rage, Bel-Oulette, Dol. Bataline. Fahim? Fahim. Fahim. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que j'avais pas d'affaires avec des voyous malpolis comme vous. Ah. OK, bon. Attends, où tu vas? Trouver un autre remplaçant. Que
devait être propre, ce client-là, hein, avec autant de savon. Oh, Brigitte, as-tu deux minutes? Il y a quelque chose que je voulais te montrer hier, puis j'ai complètement oublié. Ah, c'est quoi? Un condo. Regarde. Ah, oh, wow! La décoration est super belle. C'est drôle, hein? Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à toi. Ben, c'est vrai que c'est ton genre, maman. Oui, hein? Puis regarde, au sous-sol, il y a un atelier. Puis, tu devineras jamais. L'ancien propriétaire fabriquait des chandelles. Imagine-toi donc. Ah, ben, écoute donc! Oui, puis écoute, moi, je trouve que ce condo-là, il est comme fait sur mesure pour toi. Ben oui. Des condos comme ça, là, je te dis, on n'en voit vraiment pas souvent. Mais là, tu me diras pas qu'elle essaie pas de nous passer un message? Ben... Ils sont pas si pires, maman! Tu as vu comment ils s'habillent? Tu as vu leurs cheveux? Tu vas pas m'empêcher de jouer avec eux autres parce qu'ils ont des cheveux dans la face. Ils ont les ongles noirs. Ils ont des tatouages aussi. Oui, mais Morceau pis 10 poils sont super cool. Oh, ce sont des noms de criminels, ça. Oui, mais... Ce sera quoi, le tien? Killer Mazari? Maman! Non. Et je suis certaine, en plus, qu'ils boivent de l'alcool dans les coulisses. Mais non! Non, de non, non, j'ai dit non. Bol bol, c'est non. Baisse! Je peux aller répondre. Allô? Allô? J'ai une mauvaise nouvelle. Ah, pas toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais déménager. Hein? Mais voyons donc. Mais ça me tente tellement pas, Samy, là. Imagine, là, si je change de quartier, d'école, pis tout. Oui, mais comment ça? Vous êtes plus bien chez les Bocages? Oui, mais c'est ma tante qui veut qu'on parte. Elle vous a dit ça? Non, mais ma mère pense qu'elle essaie de nous le dire subtilement, là. OK, mais... Ben, vous devriez peut-être lui en parler avant de vous faire des idées, non? Ouais, c'est ça qu'on va faire, là. Puis toi, c'est quoi ta mauvaise nouvelle? Je fais plus le show des Dead Poitras, finalement. Quoi? Hey, comment, là? C'est le plus gros show qu'on a jamais fait. Hey, OK. Ben oui, pas grave. Hey, Kevin! Qu'est-ce qui se passe avec Mammouth? Rien. Ben, je l'ai pas entendu faire son test de son, tantôt. Ouais, pis? Ben, es-tu malade, là? Parce que si oui, moi, je peux le remplacer, hein? Moi aussi, je connais toutes vos tunes par cœur. Check bien ça. 3, 4! Non, il est juste pas arrivé. C'est tout. T'es sûr parce que je suis rendu vraiment meilleur que l'année passée. Même meilleur que Mammouth. On n'a pas besoin d'un autre drummer. OK. Ben, d'un percussionniste, d'abord, hein? Tu me niaises? Non, non, je niaise pas pantoute, là. Les maracas. Il y a un triangle tant qu'à y être. Je pense pas qu'un triangle, ça fit dans vos tunes. Puis des maracas, ça fit. Ben... Oublie ça, OK? C'est pas un percussionniste qu'il nous faut, là, c'est un claviériste. Samy? Samy peut pas me remplacer, finalement, sa mère veut pas. Ouais? Oui. Ma mère veut pas que je joue dans le show. Tu dois tellement être déçu, là. Ah oui, c'est mon rêve de jouer avec les Dead Poitras. Je sais. Puis là, j'avais la chance de le faire. Là, faut que t'essaies de la convaincre, là. C'est bien trop important pour toi. Moi, j'ai déjà essayé, elle veut pas. Mais oui, mais là, si tu... Jen, ma mère change jamais d'idée. Là, je suis tellement triste pour toi, là. Est-ce qu'on va voir le show quand même? Ben oui. Je vais te texter avant d'aller te chercher, OK? OK. Bye. C'est d'accord, Bol Bol. De quoi? Tu peux jouer au spectacle ce soir. Pas vrai? Ouais, je savais pas que c'était si important pour toi de jouer avec les Dead Poitras. Oh. Merci, ma. Oh, mon grand garçon! Merci. Allez, va, va. Est-ce que vos tunes sont bien compliquées à apprendre? Genre pour quelqu'un qui joue pas de clavier? Toi, mettons. C'est bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Pour vrai? OK, j'arrive. C'est qui? Samy. Ça a l'air que sa mère a changé d'idée. Oh, t'es sûr que vous avez pas besoin d'un percussionniste, hein? Parce que moi, je peux jouer n'importe quoi. Des blocs chinois, des gumbawi, des tambourines, bongo, cloche à verre. Peut-être qu'on devrait parler à Marie avant de planifier notre déménagement? Peut-être, mais ça me gêne. Mais imagine qu'on capote pour rien puis qu'elle veut même pas qu'on déménage. Ben, t'as raison. On devrait au moins demander. Ma tante? Oui? Est-ce qu'on peut te déranger deux petites minutes? Oui, tu me déranges pas. Qu'est-ce qu'il y a?
Ben, on aurait quelque chose à te demander. OK. Oh! Excuse-moi. Je veux juste voir c'est qui, là. Oh, c'est mon collègue. Faut absolument que je le prenne. Ça sera pas long. Oui, allô? Michel? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es pas sérieux? Mais ça se peut pas, le client passé à la banque. Hein? OK, c'est beau. On se reparle plus tard. Oh, mauvaise nouvelle? Pas mal, oui. Je viens de perdre une grosse vente. Oh, c'est plate, ça. Mais je sais pas pourquoi, là. Je te dis des fois, ce travail-là... C'est très difficile. C'est pas toujours évident. Tant qu'à vivre dans une usine de savon, je suis aussi bien d'en faire moi aussi, tu sais. Ça serait peut-être plus facile que d'essayer de vendre des maisons. Oh, qu'est-ce que vous voulez me demander? Rien d'important. Bien sûr. OK. Bon. Écoute ça, OK? La société des vidanges! Je m'en fous puis ça m'arrange! La société des vidanges! Ah, ah, ange! Je m'en fous puis ça m'arrange! Yeah, yeah, yeah! Société des vidanges! C'est des back vocals? Avoue que c'est hot, hein? On n'a pas besoin de choristes. Mais mettons que... Ni de joueurs de percussion, de clarinette ou de gazou, OK? Des gossants. En tout cas, merci de ne pas avoir trouvé un autre claviériste. Ma mère veut, là. Oui, c'est réglé. OK. Il va pas changer d'idée? En tout cas, moi, j'aurais pas besoin de demander à ma mère pour jouer avec vous autres. Ah! Kivan! C'est gentil de donner une deuxième chance à mon fils, hein? Ouais. À propos de ce que j'ai dit plus tôt... Laisse faire, maman, c'est correct. Non, non, Boulboul, non, c'est important, il faut que je m'excuse, hein? Je ne voulais pas t'insulter tout à l'heure. Hein? Yeah! Des bacs là-bas! Prends-en un. Hein? Tu vas voir, là, ils sont malades. Aïe. C'est les meilleurs en ville. Aïe. Ouais, mon père achète les mêmes à l'épicerie, mais je tripe pas tant que ça. Ah! Pardon? Ouais, il me tombe un peu sur le cœur. C'est ma mère qui les a fait? Ah ouais? Non. Faites la fessie, Fatima! Quoi, j'ai pas le droit de pas aimer vos baklava? Non, non, regarde, Kevin, c'est correct. Faites la fessie, Abin, faites la fessie! Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a encore insulté, j'imagine. Hein? Non! Si je t'avais insulté, jeune homme, tu le saurais, hein? Oublie ça, OK, pour le show. Moi, je m'en vais. Attends, 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 attends. T'as oublié tes partitions dans ma chambre, hein? Aïe, aïe, mon bras! Excuse. Oui. Moi, je les trouve full bons, vos baklava, madame Mazari. Des bêtes, là, ouais. Comme ceux de l'épicerie. Mais oui, ça veut lui faire plaisir, là. Ça doit la gosser d'avoir une usine de savon dans sa cuisine. Ah ouais, bonne idée. On va tout apporter ça dans ma chambre. Tiens, ça. Ici. Oh, oh, il y a du savon qui a coulé. Je m'en occupe. Je comprends, Michel, j'ai pas de problème avec ça, mais il me semble qu'on en a beaucoup de ces temps-ci, non? Ah! Je peux faire le show, je te l'ai dit. Oublie ça. Je t'en ai une niaiser avec toi puis ta mère. Ben, t'as vu, je t'ai pas l'insulter, c'est tout. Mais quoi, j'ai pas le droit de pas y trouver bon, ces baklava, là. Tu connais rien, toi. Hey. Pis c'est elle qui m'a insulté. Oui, mais... Bon, je vais trouver un autre remplaçant, ça va être moins compliqué. Attends, 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 attends. T'as personne d'autre pour te remplacer, anyway, tu l'as dit tantôt. Pas vrai? Mais non, y a pas rapport, là. Bon, OK, c'est vrai, j'ai personne d'autre. Si ta mère veut pas, on va être obligé d'annuler. Faudrait peut-être que t'arrêtes de l'insulter si tu veux pas qu'elle change d'idée. Tu devrais peut-être t'excuser pour les baklava. Juste pour être sûr. Es-tu malade? Ouais, Paul! Viens ici, je veux te parler! Oh-oh! Quoi, oh-oh?
Mais qu'est-ce que tu penses que la mère de Samy veut dire? Ça va, ma tante? Oui, oui. Eh, oh. Oui. Marie? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, j'ai glissé sur quelque chose. Oh, ben, j'ai glissé sur du savon, là. Mon téléphone, il est où? Mon téléphone, Michel, il est là. Ah, il est là. Je sais pas s'il vient raccrocher. Merci. Allô, Michel, es-tu là? Ah, oh, OK, phew. Oh non, non, c'est correct, c'est correct. Qu'est-ce que tu disais déjà? Mmh? Mmh. Ouais, la vente, c'est pas... Hein? C'est pas la vente, c'est l'inspection. Un vice caché à l'inspection. Ben voyons, j'étais là à l'inspection. Ça se peut pas. Hein? Mais non! Oh non, moi, je pense qu'il veut juste se sortir de sa vente, là. Moi, je pense que c'est ça qu'il veut faire. En tout cas, on s'en reparle, OK? OK, bye. Oh! Ça fait mal aux fesses? Maudite journée pareille, hein? Oh, tant que ça, hein? Oh, écoute, y a rien qui marche aujourd'hui. Écoute, Marie, je vais aller visiter ton condo zen. Hein? Pis s'il est aussi beau en vrai que sur les photos, on va le prendre. Pio, je pensais que tu voulais me dire que tu voulais plus que je joue avec eux ce soir. Non, non, tu pourras peut-être leur inculquer des bonnes manières à ces dead poitras. Peut-être, on peut essayer. Mais je voulais te demander... Madame Mazzari? Tu sais, vos bacs là-bas, là? Mais c'est pas vrai qu'ils goûtent comme ça, l'épicerie. Tellement pas. Mais ça, je le savais, jeune homme. Alors pourquoi tu l'as dit? Ben, tantôt, j'ai mal goûté. Ouais, il a mal goûté, maman. Tu n'as pas goûté. J'ai mangé des chips au vinaigre tout l'après-midi. Ah, oh, c'est vrai que le mix aurait été bizarre. Donc, je m'excuse. Pardon, j'ai mal compris. Je m'excuse, bon. Est-ce que Samy veut jouer dans le show? Oui, oui. Ah oui, je te l'ai dit tantôt que je pouvais. OK, fait que j'avais pas vraiment besoin de m'excuser. Ben non. Je vais dire au gars que tu me remplaces, là, il commence à stresser. Oh, attends, man, OK? Tu peux m'en laisser un peu quand même. T'es sûr qu'elle aimerait pas ça, là? Je m'attendais pas à ça quand même, hein, Kivan. Moi non plus. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, comme je t'ai dit, j'accepte que tu joues ce soir avec le groupe. OK. Mais à une condition. Quoi? Mais voyons, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Mais ben, c'est hors de question que vous déménagez, voyons! Mais le condo, je te l'ai montré parce que je trouvais que c'était ton genre, pas pour te passer un message. Oh, j'avais pas compris ça. Ben, je vois bien ça. Puis l'usine à savon, ça avait l'air de te déranger? Mais non, pas du tout. Je trouve que ça sent super bon dans la maison. Je suis vraiment contente que ça marche, vos affaires. On était vraiment dans le champ. Hein? En tout cas, vous m'avez changé les idées puis vous avez réussi à me faire rire. Ça, c'est bon, même si j'ai un petit peu mal aux fesses. Hey. Vous êtes chez vous ici. OK. C'est clair? OK. Puis je laisserai pas m'abandonner toute seule dans une maison avec juste des gars. No way. Girl power. Ah! Yeah! OK, bon, on ramasse ça tout de suite. Woo! J'étais sûr qu'elle avait changé d'idée. J'ai eu l'air vraiment capable de m'excuser pour rien de même. Pas tant que ça. Non. T'as-tu me suivi de même jusqu'au show? Ben, quoi si je peux jouer dedans? Oui, fatigant. Pourquoi tu veux autant être dans le show? Parce que c'est un gros show, puis vous êtes bon, là, puis. Puis quoi? Puis ça me gosse bien trop que Samy soit dedans pendant que moi je suis poirette dans les estrades. T'as vu, je vais être meilleur que lui au clavier. Parti joindre la bande. Man, faut que j'annonce quelque chose aux deux poitras, puis ils vont capoter. Quoi? Ma mère va venir au show. Ah ouais? Ouais. Puis elle va venir backstage. Man, ils vont tellement t'écœurer. Je pense que t'es le premier rocker fils à maman de l'histoire de la musique. Hein? OK, c'est correct. Tant que t'arrives, faut que tu fasses ton test de son. Ouais, ouais, mais c'est que. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que ta mère a encore changé d'idée? Non, mais est-ce qu'elle peut venir backstage? Ah ouais, pas de trouble. Ça y tente. Pas vrai? Ben ouais, nos mères sont tout le temps là à nos shows. Et même si elle a un morceau qui nous fait des sandwichs, pas de croûte. Ah ben, OK, d'abord. Hey, j'ai trouvé de quoi à faire ce soir, finalement. Pas vrai? Ben ouais, tu pourrais vendre nos t-shirts à l'entrée.
Elle est bonne. C'est pas une joke. Oh my God, Samy, je capote, là, j'en reviens tellement pas. Je sais bien. J'espère juste de pas me tromper dans les tunes, par contre. Ben non, t'es tellement bon. Ouais, c'est vrai, ça. Yeah! Je capote, j'arrêterai pas de crier ton nom. Oh my God, c'est Samy Deadpoitras! Oh my God! I love you! Hey, tu me regarderas, là, je vais te faire des clins d'œil. Il m'a regardé. Je laverai plus jamais mon linge. Oh, faut que j'aille finir le test de son, moi. Tu vas venir me voir avant le show? Ben oui. Bye! Bye. Marie, j'ai quelque chose à te demander. Tu peux me demander n'importe quoi, pourvu que ce soit pas pour un déménagement. Non. Tu sais, quand t'as dit tantôt qu'on était ici comme chez nous, mm-hmm. Tu étais vraiment sincère, hein? Bien sûr. Donc, je peux faire ici tout ce que je ferais dans mon propre appart. Tout à fait. Fait que ça te dérange pas si je prête ma chambre à une touriste suisse pendant mon voyage. Hein? Mais oui, elle viendra habiter ici pendant que moi, je resterai chez elle là-bas. Et tu peux inviter une touriste suisse ici? Oui, ben en fait, je l'ai comme déjà fait. Puis elle a dit oui! Hey, yay! Yeah! Ben, on n'a comme pas le choix. Ben oui! C'est le fun, hein? Oui! Oui! Yeah! Es-tu un autographe? De qui, de toi? Ben non, les Deadpoitras. Je suis capable d'imiter toutes leurs signatures. Mais laisse donc faire. Oh. Alors, Jennifer, prête pour le spectacle? Ah ben, maintenant, oui. Vous aussi, vous tripez sur les Deadpoitras? Ah non, 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 je trippe pas sur les Deadpoitras, hein? Je suis venue prendre des photos de mon fils. Ah, c'est donc bien cool. Oui, je les ai envoyées en Égypte et en Algérie. Se rencontre mon petit boule-boule vedette rock. Oh my God, c'est un Deadpoitras! Hey, est-ce que ça marche, mon look? Et mais, hein? C'est vrai que c'est pas si pire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, 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 tu vas pas aller sur scène comme ça, boule-boule. Que je fête avec le reste du groupe? Non, 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 mais moi, je voulais prendre des photos pour tes oncles et tes tantes! Ah ouais? Ben, moi, je trouve ça cute, là. Ouais, moi aussi, c'est full cute. Cute. Tu pourrais pas au moins repousser tes cheveux? Non. Non, s'il te plaît, Bol Bol, fais pour moi, Habibi, s'il te plaît. Allez, je rentre, s'il te plaît, Bol Bol, s'il te plaît. OK. Ah, ah ouais. Aïe, ça, c'est mieux. C'est bien, hein? Oui. C'est cute, pareil. Hein? OK. Prends une photo. Bon. Non, 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 avance, avance. 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 Non, on va pas prendre le kit au complet. Viens plus proche. Viens, viens, viens. Viens encore, encore. Viens, encore. Ah, ouais, attends, tu as quelque chose dans les mains. Ah, voilà. Sorry. Pour jouer ou revoir des émissions, visite le site web de Subito Texto.